Gnocchi, c'est un gars accuse le régime de payer les mercenaires pour pacifier le pays en lieu et place des forces armées congolaises. Denis Mukwege également a réagi, il a dit, il est sidéré d'apprendre que Franck Diongo est arrêté arbitrairement et détenu illégalement dans un cachot de la DEMIAP, serré entre la vie et la mort, privé de son droit de santé. Il condamne ce qu'il qualifie de dérive liberticide du régime et exige sa libération. Autre nouvelle, le gouvernement de la RDC demande aux pays membres du Conseil de sécurité de prendre des sanctions sévères et exemplaires contre les officiers et dirigeants rwandais ainsi que ceux du M23. Recrudescence des cas d'enlèvement, la voix des sans-voix recommande des sanctions contre les magistrats véreux et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des forces de sécurité. Évaluation de la situation sécuritaire au nord Kivu et la délégation de l'EAC visite le site de pré-cantonnement du M23 à Romangabo, inspecte les troupes de l'EAC à Kibumba et échange avec le chef du village Kabaya, notable de Kisigari. Affaire kidnapping, le TGI Gombe a condamné la majorité des accusés d'une peine de mort pour association des malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Agression rwandaise dans l'Est, nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. C'est la SADC qui a exprimé son désir de venir en RDC comme c'est son devoir lorsqu'un membre est attaqué. C'est le président Tshisekedi qui l'a dit lors de sa rencontre avec son homologue sud-africain. Alors, nous parlons de deux thématiques aujourd'hui, mesdames et messieurs. On parle premièrement de l'économie francophone, utilité et apport à la RDC. Deuxièmement, analyse comparative des économies congolaises et sud-africaines. Comme vous le savez, à la fin du mois de juillet, les Jeux de la francophonie vont se dérouler à Kinshasa. Eh bien, on va s'interroger sur l'apport de l'appartenance à la RDC ou l'importance, l'utilité de l'appartenance à la RDC à l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, je suis avec trois invités pour l'instant sur ce plateau. Je commence avec M. Joseph Mbenza. Vous êtes cadre de l'UDPS Tshisekedi. Vous êtes également politologue. Bonjour M. Joseph, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci M. Dan. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir associé à ces débats très très intéressants, très capital. Et je salue mon frère Chiswaka et l'entrepreneur Takizala. La fois passée, on a été ici. J'ai aimé sa dextérité. Mm-hmm. Voilà, je vous salue. Ainsi que tous ceux qui vont nous suivre. Un biscuit directement? Oui, bon, c'est toujours Kinshasa, la francophonie, comme vous avez dit. Je ne sais pas le plan du gouverneur Gentil Ngobila pour rendre la ville propre. À quelques jours de la francophonie, on se rend compte, malgré les alertes et malgré les appels, je ne sais pas s'il a oublié que Kinshasa doit être entretenu, doit être propre, ne fût-ce que faire semblant. Mais il ne fait absolument rien. Quelques deux semaines ou bien quelques jours du lancement de ces jeux de la francophonie, je me pose la question, son silence, pourquoi? Il n'y a pas de politique sur la salubrité de la vieille province de Kinshasa. Même à Gombe, il y a des tas de... C'est une habitude, hein? Les gens regroupent dans des sacs et puis ils les posent sur les grandes artères de la ville province de Kinshasa. J'ai même suivi le VPM Liaouf qui en avait fait mention pour dire mais ça doit s'arrêter. Donc le gouverneur est quasi absent. Absent à quelques jours de la francophonie, des jeux de francophonie. Jeux de la francophonie. Voilà. La propriété aussi, l'image de l'image du pays. On se pose des questions. Monsieur Eric Tshisekedi, bonjour aussi. Merci de prendre part également à cette émission. Merci. Grande Tribune. Merci Tanzin, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Permettez-moi de saluer mes collègues ici sur ce plateau. Je crois qu'on va partager cette thématique ou les deux thématiques évoquées qui sont des thématiques importantes. J'aimerais ici saluer aussi la population congolaise qui nous suit de partout et aussi le garant de bon fonctionnement des institutions qui est les présidents de la République et aussi l'autorité morale de notre formation politique, les professeurs présidents du Sénat, Modeste Bahati, que nous tenons à saluer. Et ouais. Donc voilà, donc je crois que pour un petit biscuit, comme vous avez demandé aussi
à mon frère de le faire. Moi, je parlerai sur cette question de l'insécurité qui est vécue dans, à Kinshasa. Cette insécurité, affaire kidnapping, etc. Nous avons vu comment ils ont été jugés. Mais je crois qu'il n'y a pas satisfaction de la part de la population, puisque nous voulions voir cela jusqu'à la fin. Pourquoi ? Puisque vous vous souviendrez, en 2019, 18, même vers 16, 14, il y a ceux qui ont été jugés pareil, mais qui sont sortis et qui ont repris les mêmes bavures ou la barbarie. Et je crois que cette fois-ci, il faudrait que la justice fasse un travail des titans, qu'on aille jusqu'à la fin et qu'on puisse aussi assurer la sécurité comme il se doit. Moi, je me pose la question aussi sur le fonction du gouverneur de la ville province de Kinshasa, parce que j'ai l'impression que les taux de la barbarie a augmenté. Criminalité, Koulouna aussi, la saleté dans la ville province de Kinshasa, mais Gobila est intéressé simplement à fragiliser l'Assemblée provinciale. Mais il n'y a pas qu'un Gobila, il y a aussi des bourgmestres. Non, mais écoutez, et ça, vous savez, c'est Gobila qui est le patron de la ville. Il est comme le président de la République. Il est le garant des bons fonctionnements de la ville. C'est lui qui gère la ville. C'est lui la hiérarchie. C'est lui les patrons. C'est lui qui doit orienter par sa politique mise en place, en fait. Vous voyez, si lui-même, le sommet de la ville, n'arrive pas à faire imbiber ceux qui sont avec lui, sa vision, je crois que c'est là, serait un problème. Puisque la ville, elle est tellement sale, il faudrait l'avouer, même à la Gombe, c'est sale. Et au-delà de ça, l'insécurité, c'est partout. Nous avions connu à la Gombe, c'était calme, il n'y avait pas ces problèmes de l'insécurité, mais nous vivions, c'est là, à la Gombe, à Lingwala, à Limété. Bref, c'est par-ci, par-là. Et donc, si il a une très bonne vision, je crois qu'il doit travailler sur ça. Mais moi, je me pose la question, il ne fait que tourner ses regards vers le pasteur Godin Poï, qui est une autorité, qui gère l'Assemblée provinciale, mais il voudrait les faire partir, comme il a fait partie son vice, l'ancien vice-gouverneur, vous vous souviendrez de lui, de le nom m'échappe ici, qui est parti, qui est tombé, du fait qu'il n'était pas d'accord avec la manière dont Gentiné Gobila était en train de gérer. Néron Boungou, voilà. Et aujourd'hui, c'est avec Godin Poï. Donc, au lieu de s'intéresser sur des questions importantes de la vie, eh bien, ce sont des guéguerres, ils se lancent en insultant Godin Poï d'un pasteur aventurier, etc. Et voilà où on nous amène pendant ces temps. Les enfants sont enlevés, les femmes sont enlevées et même sont violées. Donc je crois qu'ici, il faudrait que nous tablions sur cela pour remettre tout en ordre, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Héritier. Monsieur Eric Tiswaka, pardon. Voilà, je passe la parole à Monsieur Mathieu Takizala. Bonjour, Monsieur Mathieu Takizala. Merci beaucoup de votre présence également. Je vous remercie, cher Dan. Je remercie aussi les deux compatriotes qui sont ensemble dans ce table ronde vendredi. Et puis, pour ce que je peux, coup de gueule de ce matin, c'est les économies subsahariennes. Vous voyez ce qui se passe en Tunisie, c'est comme si on est dans les années 20, où on voit les Noirs botter dans le territoire francophone maghrébin, parce que 60 ans des existences des indépendances subsahariennes, on n'a pas permis pour garder notre jeunesse dans nos sols. Il faut que ceux qui gèrent les États subsahariens comprennent que le premier carburant des États, ce sont des humains. Et ça fait presque 60 ans d'autonomie. La jeunesse a le recours d'aller ailleurs parce que l'Eldorado salarial est absent. Vous regardez en ce moment ce qui se passe en Tunisie. Je demande même aux autorités tunisiennes, ils sont dans le continent qu'on appelle l'Afrique. Il n'y a pas de différence à un Africain du côté maghrébin et l'Africain subsaharien. Nous devons lever ces barrières et que le colonisateur a laissé dans le continent. Oui, l'Afrique a des sous-régions, mais l'Afrique, c'est un unique continent où on a... Les réalités de l'Afrique subsaharienne sont les mêmes. Oui, mais l'Afrique subsaharienne, le problème est qu'il ne faut pas, que le Maghrébin... Au Ghana... Il ne faut pas que le Maghrébin... Il ne faut pas que le Maghrébin pense comme s'il vit dans un autre continent. Nous sommes un seul continent. Il faut permettre de sorte qu'aujourd'hui, même dans la plupart des pays subsahariens, et nous voyons que les Maghrébines vivent en calme, ils sont en train de vaguer. Mais comment fait-il qu'à chaque fois, moi ça fait presque 48 mois que je suis en République démocratique du Congo, j'ai jamais vu un État subsaharien qui donne ce genre de traitement aux Africains du Nord. Donc il faut vraiment que ça change. Nous devons comprendre. Du président tunisien. Donc, je crois que l'ancien président, c'est quelqu'un que j'ai connu, qui a un énorme professeur, un scientifique, on a vécu ensemble, qui m'a enseigné même. Mais je pense que celui qui est actuel doit comprendre c'est quoi l'Afrique. L'Afrique, il n'y a pas le parti supérieur, il n'y a pas le parti inférieur. Je crois que les gens, pour se déplacer, il y a le mouvement administratif. Mais ce genre de traitement, c'est inhumain. Il faut qu'ils comprennent, et aux autorités subsahariennes, de comprendre que la meilleure façon de diriger, c'est de garder la population. Et lorsque la population se déplace dans des conditions comme ça, ça ne nous honore pas.
Ça ne nous honore pas les Africains, les migrants qui meurent dans la mer Méditerranée en train de traverser donc, pour retrouver l'Eldorado européen. Est-ce que vraiment l'Europe est l'Eldorado? Il faut qu'on se pose toutes ces questions-là. Est-ce que les conditions de vie des Européens sont à désirer tant pour risquer sa vie pour les Africains? Il faut qu'on se pose aussi ces questions-là, nous, subsahariens. Première thématique, mesdames et messieurs, économie francophone, utilité et apport à la RDC. On va présenter quelques éléments. L'OIF apporte à ses 88 États membres un appui dans l'élaboration ou la consolidation de leur politique et mène des actions de politique internationale et de coopération multilatérale selon les quatre grandes missions, à savoir promouvoir la langue française, le plurilinguisme et la diversité culturelle, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, développer la coopération économique au service de développement durable. L'OIF compte 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. En 2019, son budget s'est élevé à 71 millions d'euros. Les recettes sont principalement constituées par des contributions statutaires et par d'autres volontaires qui abondent les fonds multilatérales uniques, l'outil par lequel la francophonie finance ses actions de coopération. Voilà, économie francophone, utilité et apport à la RDC, mesdames et messieurs. La question nous est posée à tous. Vous aussi à la maison, vous pouvez réagir à travers nos plateformes digitales. Monsieur Joseph Menza, je commence avec vous. Votre lecture, apport et utilité à la RDC, économie francophone. C'est une question pertinente, okay, qui mérite réflexion et de notre part. J'aime ce genre de thématiques parce qu'ici, nous parlons sans état d'âme, sans couleur politique. Moi, j'ai une façon de voir de la francophonie qui ne sera pas peut-être pour certains d'entre nous ici, même à la maison. Quand on voit francophonie, on voit d'abord la France. Il ne faut pas se le cacher. Vous savez, toutes ces organisations, parce qu'il y a un cours qu'on appelle organisation, les organisations internationales. La francophonie en fait partie. Ils ont des représentants ici sur place en République démocratique du Congo qui sont revêtus des statuts particuliers avec des immunités. Nous avons signé un accord de siège avec pour leur donner le moyen d'œuvrer en République démocratique du Congo. Parce que l'OIF fait partie des organisations internationales. Maintenant, c'est au niveau des objectifs de cette organisation internationale. Vous remarquerez que quand vous avez énuméré les éléments, moi, je n'en vois que deux. Lesquels ? Culturel et sportif. Il y a aussi appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur. Et l'éducation. Et la recherche. Oui, et l'éducation et la recherche. Vous voyez ? Mais déjà qu'on parle de son budget. Mais c'est ça, je voulais en révéler. C'est 71 millions. Mais écoutez, vous avez parlé de cinquantaine d'États qui sont membres. Mais répartissez maintenant le budget pour chaque État, si ça devait être le cas. Moi, je crois que c'est une histoire qui ne nous apporte rien du tout. Étant donné que elle-même, la France, est notre 14e partenaire. En termes de chiffres, ça ne représente que moins de 200 millions de dollars par an. Les actifs de la France en RDC. Là, vous parlez de l'apport en termes économiques. En termes économiques. Mais si elle-même, la France qui chapeaute cette organisation, n'apporte rien du tout à la RDC, à combler plus forte raison la francophonie. Vous voyez? Bon, moi, j'ai toujours dit ceci pour le commun des mortels, les relations bilatérales et multilatérales, parce que l'OIF, nous sommes dans le cadre multilatéral. Avec la France, nous sommes dans le cadre bilatéral. J'ai toujours demandé et j'ai toujours tiré l'attention des dirigeants, des gouvernants, que nous devons maintenir la relation bilatérale avec la France et multilatérale avec l'OIF seulement dans le cadre culturel, sportif, de l'éducation et de la recherche. Seulement. Parce que sur le plan économique,
il ne faut pas rêver, il n'y a rien du tout. Je dis bien, il n'y a rien du tout et il n'y aura rien. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Je vais revenir vers vous instantanément. Okay, merci. Monsieur Rick Tshiswaka, quatrième minute également. Votre lecture de cette thématique, utilité et apport à la RDC, selon vous. Vous parlez de l'économie francophone, utilité et apport à la RDC. Oui, oui. Vous savez, des fois, ça me fait un petit peu mal lorsque je vois... je vois où on affiche, on dit par exemple don de la France à la République démocratique du Congo, par exemple, don de la Belgique à la RDC, don des États-Unis à la RDC. Mais je n'ai pas vu moi don de la RDC à la France. Parce que nous suivons aussi des fois, il y a des inondations en France, il y a mort d'homme en France. Il n'y a pas des dons de la RDC à la France, il n'y a pas des dons de. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre là où je voudrais venir. Cette dépendance. De la enfin, dont nous subissons aujourd'hui cette dépendance des économies des autres nations. Et si vous parlez d'une économie francophone, une économie de la France, c'est-à-dire c'est comme si nous resterons éternellement dépendants de cette nation, resterait éternellement dépendants des autres nations. Il faut un certain moment que nous soyons sérieux. Que nous soyons sérieux. Et ce que nous recevons des autres, ils le trouvent ça chez nous. C'est-à-dire, on prête à la RDC ce qui lui revient lui-même. En fait, on nous donne ce qui est le nôtre. Vous parlez de don de lui, l'OIF. Mais il vous donne ce qu'il reçoit ici, ce qu'il tire ici. Lorsqu'ils viennent pour les exploitations Y, X, ils ont deux moyens. Et puis par la suite, ils vont vous prêter ce qu'ils ont eu de vous. Vous pensez que disons, l'appartenance à la RDC à la... À l'Organisation internationale de la francophonie, tous ses États membres, compte tenu déjà du budget, des relations, des rapports, c'est une forme de colonisation, une néocolonisation. J'affirme ce que je venais de le dire. Nous continuons à dépendre que des autres. Et nous ne restons... En fait, ils ont une puissance économique sur notre économie. Puisque nous n'arrivions pas à travailler pour, je ne dirais pas comme les autres, diversifier les secteurs de l'économie, mais nous ne travaillons pas pour devenir une économie indépendante. Donc nous sommes plutôt en train de nous asservir. Évidemment des autres économies. Alors que nous pouvions regarder, voir la manière, en fait, nous pouvions tirer la manière des économies des autres pour que nous travaillions sur notre propre économie. Mais pas pour que nous restions dépendantes des économies des autres. Et c'est aujourd'hui le retombé. Lorsque nous sommes frappés par cette guerre russo-ukrainienne, n'est-ce pas? Ça affecte automatiquement notre économie puisque nous dépendons des autres. Alors qu'eux ont travaillé pour qu'ils soient une économie indépendante, en fait, s'il faudrait dire ainsi. Il faut rester voir seulement. Le don de la France à la République démocratique du Congo. Don de la France au Sénégal. Don de la France, etc. Mais quand est-ce qu'on dirait don de la RDC, n'est-ce pas? Aux États-Unis, par exemple. Alors là, il faut que nous puissions réfléchir sur ça. Il faut que les économistes, en fait, ceux qui ont fait de l'économie, les politiciens, je dirais des politiciens qui ont une vision, et qui travaillent dans ces secteurs, par exemple de l'économie, qui travaillent pour voir comment nous pouvions ne plus être dépendants de certaines économies. Alors lorsque vous parlez de l'utilité à apport à la RDC, qu'est-ce que ça apporterait? Qu'est-ce que ça apporterait? Lorsqu'on vous amène simplement, je ne sais pas moi quoi, on vous achète des choses pour vous amener en disant voilà ce que nous vous donnons pour les déplacer X, Y, ça apporte quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Et demain après demain, ils vont encore faire la même chose et pendant ces temps, ils s'en profitent en fait. Moi, je crois qu'il faudrait que nous puissions travailler sur ça. Et je ne suis pas d'accord que nous restions une économie qui dépend que des autres. Voilà pourquoi aujourd'hui notre balance commerciale, je dirais ainsi, est restée toujours déficitaire. C'est-à-dire, cette balance n'arrive pas à être équilibrée. Elle est toujours déficitaire puisque nous dépendons des autres. Donc, travaillons beaucoup plus pour notre indépendance que d'être dépendant des autres. Merci beaucoup, Monsieur Eric. Monsieur Mathieu Takiza, votre point de vue sur cette thématique, quel est l'apport et l'utilité selon vous? D'abord, vous savez, l'espace francophone, c'est un espace important dans la géopolitique, géoéconomique au monde. Je crois que du côté congolais, nous devons assumer notre part de responsabilité. Et depuis la naissance de cet État, cet espace est présent dans l'apport économique. Et, sauf que du côté congolais, nous ne comprenons pas comment il faut taper l'hameçon. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous allez prendre un petit pays comme Qatar, qui n'est pas membre de l'organisation internationale, qui est la francophonie. Qui est observateur.
qu'il arrive, mais culturellement et linguistiquement, il est à côté de cette logique francophone. C'est une langue, c'est une culture, c'est une façon de faire. C'est comme les anglo-saxons, ils ont une façon de faire. Le problème que vous voyez aujourd'hui, hein, République française, sixième puissance mondiale, et qui a des atouts, un marché financier, une épargne, la transformation. Et l'OIF, ce n'est pas que la France. Non, mais je donne l'exemple. Oui. Je vous donnerai même le Canada, qui est membre, qui est un pays qui a un positionnement. La partie nous Québec, besoin. Bien sûr. Oui, donc, mais... Québécoise. Oui, mais comprendre. Non, la partie québécoise, mais c'est le Canada. Ouais. Le Canada francophone. Donc, on le cite Canada. Ouais. Donc, et ces États sont majeurs dans l'économie mondiale. Ils ont des entreprises, ils ont le financement, ils ont les institutions, le transfert de technologie. C'est à nous, en République démocratique du Congo, de comprendre qu'aujourd'hui, est-ce que cette francophonie, on va aller uniquement pour la partie... Vous savez, pour acquiser les autres, c'est facile aussi. Mais nous-mêmes, nous devons assumer aussi les responsabilités de la part des Congolais. Si dans cet espace, parce que cette économie est globalisée, elle est mondialisée. Et c'est pour ça que vous voyez même au niveau de l'Europe, et que les États puissants ne pouvaient pas vivre seuls, qu'est-ce qu'ils ont fait? On crée un marché commun. Le marché commun, c'est ce que nous appelons l'Union européenne, pour faire face à le bloc qu'est le grand marché. Le problème de l'économie congolaise, c'est nous-mêmes les Congolais. Ça veut dire que du côté congolais, il faut que nous comprenions que de profiter de cet espace. Comment est-ce qu'on peut profiter? Donc, on doit profiter en faisant une interaction entre les apports congolais de l'entreprise, les boîtes congolaises, les savoirs congolais. Il faut éviter uniquement que le Congo soit représenté dans ce genre d'enveloppe uniquement avec l'aspect politicien. L'aspect politicien ou les institutions. Parce que nous avons des ambassades dans tous les États francophones. Mais est-ce que la logique économique congolaise s'imprime? Nous avons des fils et filles congolaises qui sont dans tous les pays francophones. Il y en a même qui commercent. Est-ce que les, ce qu'on appelle l'agent économique principal ou le conseil économique des ambassades congolaises essaie de comprendre que la France, c'est un marché pour le Congo? Vous comprenez? Le premier pays francophone qui a une population en démographie, parce qu'il ne faut pas réduire la francophonie à la France. La francophonie, c'est une organisation où il y a plusieurs États à l'intérieur, où nous, les Congolais, si nous sommes habiles avec l'intelligence économique, nous pouvons profiter. Parce que nous sommes en retard. Nous avons besoin de financement, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin que nos entreprises soient compétitives. Nous avons une PIB qui est faible et que le pouvoir d'achat est faible. C'est-à-dire que nous devons interagir avec les autres espaces. Et culturellement, ça peut être profitable à nous. Parce que vous prenez un jeune Congolais, vous le mettez aux États-Unis, il va faire 5-6 ans pour s'adapter à cette culture. Mais vous le mettez un jeune Congolais au Canada ou dans des pays francophones, vous allez voir que les habitudes, il va s'insérer facilement. Je crois qu'aujourd'hui, nous les Congolais, si nous voulons que ça soit un espace profitable à l'économie congolaise, il faut que nous partons avec le muscle de l'intelligence économique. Au lieu de dire que c'est trop facile, non, vous voyez, et c'est la colonie. Non, 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 non. Nous avons une part des choses. Comment on peut... Parce que comment... dans la démographie africaine, dans des pays francophones, entre autres la France, qui j'ai grandi, la question, c'est la question. Vous allez voir que la première population subsaharienne, ce sont des Congolais. Maintenant, c'est à la République démocratique du Congo de tout faire d'une façon que cette population congolaise qui est en France revienne maintenant une manne pour l'économie congolaise. Mais si nous ne nous appliquons pas ça, automatiquement, la faute, c'est à nous de s'assumer. Est-ce qu'on va aller avec la France uniquement pour en bilatéral de voir notre chef de l'État qui se déplace, ou les ministres, ou les députés? Non. Faisons aussi de sorte que les entreprises, merci. Moi par exemple, l'entreprise que je préside, combien des entreprises françaises qui sont en train de chercher que nous travaillons en contact avec? Ceux qui fabriquent batterie, ceux qui fabriquent pneumatique, ceux qui fabriquent tout ça, ainsi de suite. C'est ça aussi la francophonie. C'est maintenant la politique, les politiques publiques congolaises doivent faire de sorte que nous profitons de ceux qui sont en avance. C'est ceux qui ont liquidité. Au lieu de dire non, vous voyez ces gens-là, ainsi de suite, non, il faut, il n'y a aucun État, du point de vue de l'économie d'aujourd'hui, qui peut dire moi tout seul, je ferai l'hameçon. Très bien. Non, donc, il faut faire de sorte que du côté congolais, il y a beaucoup de choses qui manquent. L'entrepreneur congolais, on ne le met pas en position d'interagir avec ses homologues de l'espace francophone. Merci c'est pour ça que vous voyez qu'on voit comme si nous tirons de rien. On ne va pas tirer avec des mots, mais avec
les stratégies et les enveloppes congolaises qui peuvent rassurer les partenaires en bilatéral qu'on appelle l'espace francophone. Merci beaucoup, les partenaires bilatérales en l'espace francophone. Vous avez plus parlé des politiques publiques qui doivent faire en sorte... Oui, il faut une intelligence. Il faut une intelligence. Aujourd'hui, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ainsi de suite, il y a des choses qu'ils maîtrisent, que nous ne maîtrisons selon pas. Vous, pour le moment, le Maroc, ainsi de suite. Cette politique n'existe pas encore pour l'instant. Mais le point, pourquoi on se plaint? Les déficits sont énormes. Merci. Le balance commercial, on ne le fait pas avec des mots, mais avec des instruments économiques. Merci beaucoup, instruments économiques, balance commerciale. Merci, monsieur Mathieu Tekizala. Alors, la question est beaucoup plus importante. Les politiques ont eu un rôle important à jouer pour que la RDC puisse tirer profit de cet espace francophone, plus de 80 États. La question vous est posée. Ce sont les politiques qui doivent s'inventer ou faire en sorte que l'intelligence politique apporte un plus pour que nous soyons beaucoup plus vainqueurs ou gagnants de cette coopération, vous l'avez dit, multilatérale, mais non seulement cela, mais également l'appartenance même à cette organisation, l'utilité pour nous les Congolais. Votre point de vue? Je ne partage pas trop l'avis de M. Tekizala, parce que en relation internationale, même sur le plan multilatéral et bilatéral, ce sont des intérêts, des enjeux qui sont plus importants. Chacun définit ses besoins par rapport à ses intérêts. Regardez l'attitude de la France et des pays de la francophonie face à l'agression que la RDC fait face. Comme la France ne se prononce pas en faveur de la RDC, tous les pays francophones se taisent. Mais quand vous parlez de pays francophones, le Rwanda... J'en arrive. C'est là où se trouve le problème de cette fameuse francophonie. Je dis fameuse parce que ça ne nous apporte rien. Président Macky Sall, président de l'exercice de l'Union africaine, pendant tous les mandats, il n'a pipé mot sur l'agression de la RDC. Mais le Sénégal a promis d'apporter un don d'un million d'euros aux forces de l'EAC. Non, ça c'est des affaires. Il y a le Sénégal et l'Angola qui vont contribuer à hauteur de 2 millions chacun. Est-ce qu'il y en a... Vous apportez un don, mais vous ne savez pas condamner l'agression. Parce que ces organisations... C'est mieux condamner que financer. C'est mieux condamner parce que ça a une valeur. Ça a une valeur morale, psychologique à l'égard de la nation agressée qui est d'amener... C'est comme vous êtes médecin après la mort. Non, on a besoin de la prévention. Toutes ces organisations multilatérales, même si dans la relation bilatérale, c'est sur la solidarité. Quelle est la solidarité de la francophonie face à la situation des déplacés massifs, des Congolais qui sont tués par le M23? C'est ça, là où nous attendons. Pourquoi parler de l'économie, de leur rapport? Mais en réalité, il y a des problèmes qui sont plus dangereux, plus graves que cela. Tenez. Monsieur le DG parle du financement. Aujourd'hui, nous le savons, pour avoir des grands financements, pour développer des grands projets, il faut la Chine et l'Inde. Il faut la Chine et l'Inde. Mais oui, ce sont des gens qui apportent des capitaux. Même le transfert des technologies, on sait que ces gens-là, ils ne le font pas. Il ne faut pas rêver. Tenez, j'ai été choqué quand Monsieur Yves Le Drian est venu à Kinshasa. Il a annoncé pour le soutien de la France... pour la gratuité de l'enseignement sur le 2 millions, ils n'ont amené que 65 millions à décaisser entre 3 et 5 ans. En fait, la francophonie, c'est une histoire qu'on se met dans la culture. Parce que, regardez ce qui se passe dans la zone CFA. Ce sont des pays de la zone sous-régionale CDAO. Regardez ce qui se passe là-bas. Où est la francophonie? Non, c'est une histoire qui est inefficace, même sur le plan de l'économie. Avec une politique adaptée, on ne peut pas... On ne peut rien tirer de cette histoire sur le plan économique. Même sur le transfert des technologies, moi, je ne pense pas. Regardez le budget des pays de Commonwealth. Regardez tous les pays qui sont en caractère anglophone. Regardez quand même comment ils traitent au niveau du Commonwealth. Parlons du Rwanda. Le Rwanda est à la francophonie et au Commonwealth. Quelle logique qui soutient ça? C'est là où je parle des intérêts et des enjeux géostratégiques.
Et la France qui devait piloter, je suis d'accord avec le DG sur le plan démographique, c'est la RDC, mais dans le contenu, on trouve que la France est en train de jouer un très mauvais jeu par rapport aux pays de la zone francophone. Vous comprenez? Donc, dans tout ça, moi, je ne vois pas... Ça serait important, vu que ce n'est pas important. Alors, RDC... On peut beaucoup plus développer... Se retirer. Non, on peut beaucoup plus développer le côté culturel, éducation et recherche. Ne pensez même pas à l'économie dans cette zone-là. Parce qu'il y a des problèmes sérieux. La France elle-même ne joue pas franc jeu à l'égard des pays francophones. Regardez l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Elle est la tête. Elle conduit, elle oriente. Les pays anglophones. Mais, en fait. Regardez ce qui se passe. Mais la France qui devait être la tête sur le plan politique et géostratégique pour conduire les pays francophones à se développer dans cette zone-là. Mais regardez son comportement, son hypocrisie, sa duplicité. Monsieur Macron vient à Kinshasa, il dit, je vous rassure, le 27 septembre, vous entendrez la voix de la France sur la question du M23. Aujourd'hui, ok, on est en quel mois? Et le président était prudent, il a dit, nous vous prendrons au mot, monsieur le président. Mais jusque-là, Macron n'a plus 10 mots. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Joseph Mbenza, merci pour cette belle lecture. Monsieur Eric Tissouac, était-ce une bonne idée pour le Rwanda? Non seulement le Rwanda n'a pas quitté la francophonie, mais le Rwanda a maintenant plusieurs langues officielles. Il y a l'anglais, le Kinyarwanda et le français. Le Rwanda n'a jamais dit qu'il n'ait quitté la francophonie. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils ont apporté quelques langues de plus, mais l'administration, elle est aujourd'hui anglophone et Kinyarwanda. Était-ce une idée géniale, bonne idée pour le Rwanda? Vous savez, pour appartenir dans une organisation, ce n'est pas mauvais. Appartenir dans une organisation ou dans un marché français, marché américain, c'est pas mauvais. On peut y être. Mais il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous allez apporter? Parce qu'il n'y a rien de rien. Ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous, la RDC, vous allez apporter? Est-ce que nous avons réfléchi à ça? Appartenir dans une organisation, elle n'est pas mauvaise. Appartenir, je sais pas moi, dans un département et tout ce que vous voulez n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que nous avons une politique aussi de savoir comment nous allons... C'est ça la question fondamentale. Quelle est la politique au niveau de... C'est ça la question fondamentale. Le fait d'appartenir, ce n'est pas un problème, parce que vous allez appartenir pour devenir des esclaves de ceux qui sont là au sein de cette organisation. Votre voix ne va pas imposer. Nous allons appartenir dans un marché français avec quelle économie? L'économie congolaise. Est-ce qu'on a réfléchi sur ça? On n'a pas de... Le problème, d'abord, c'est travailler sur l'économie nationale. Lorsque vous appartenez dans un marché, dans une organisation, n'est-ce pas? Et que vous ayez ce que vous pouvez apporter. Mais travailler en multilatéral, c'est aussi l'économie. C'est aussi mais écoutez. Les opportunités d'emploi, par exemple. Non, mais les opportunités, c'est du fait simplement d'avoir un financement venant des X, Y. On ne peut pas travailler qu'en interne. Il faut qu'on se trouve également. Non, mais avant de pouvoir écouter, avant de vouloir être serré ailleurs, il faut commencer à être serré chez soi-même. Parce que vous voulez un financement de quoi? Les dons de X et d'un million, deux millions qui seraient peut-être prises par certaines personnes. Échange des compétences, non, par mais exemple. Les échanges, je ne refuse pas. Mais les échanges des stratégies, des compétences, etc., nous ne refusons pas. Mais avant d'y être, moi je pars de travailler d'abord ce que nous devrons faire sur le plan interne pour être respecté. C'est pour être respecté. Aujourd'hui, vous savez, au sein de la francophonie, nous ne sommes pas respectés. La voix du Rwanda est plus respectée que nous. Parce que le Rwanda a développé son économie. Aujourd'hui, le Rwanda, si vous allez au Rwanda, vous trouverez que l'économie du Rwanda est plus mieux que notre économie. Et vous le savez bien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bien que nous allons critiquer le Rwanda, nous allons demander les sanctions au Rwanda, tant que la France et les autres nations en profitent de cela. Puisqu'il y a un partenariat gagnant-gagnant, et votre voix ne va pas peser. Puisque la France a travaillé sur le plan interne avant de s'imposer sur le plan international. La France va signer des contrats avec la Russie, il va imposer son économie. La France va signer des contrats avec les États-Unis, il va imposer son économie, il va imposer sa voix. Et vous, vous allez imposer quoi? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, Congolais, de vous imposer? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Tout comme avant de pouvoir s'imposer sur la scène internationale, imposons-nous sur notre économie nationale. Travaillons sur. Je vais m'expliquer. Nous sommes incapables, nous-mêmes. Je vais m'expliquer. Non, c'est pas être incapable, c'est la volonté politique. On n'a pas de volonté. J'ai dit, c'est la volonté politique. Pour que nous diversifions notre secteur de l'économie. Aujourd'hui, notre économie est basée que sur les secteurs des minéraux. Et vous le savez tous. Et lorsqu'il y a variation de taux, de coûts, de taux sur le marché international, ça affecte sur l'économie nationale.
Lorsqu'il y a un problème aujourd'hui de vente des colbats, etc. sur le marché intelligent, ça affecte sur notre économie. Si aujourd'hui nous commençons à travailler made in Jersey, production locale, vous pensez que ça ne pourrait pas faire en sorte que notre économie ait, n'est-ce pas, je dirais, cette avancée? Lorsque vous voulez dépendre que des autres et vous voulez vous imposer sur un marché X, c'est impossible. Vous n'allez qu'être dans cette organisation où on ne vous donne que des miettes. 1 million pour les réfugiés, 2 millions pour ceci, alors qu'ils en bénéficient autant. C'est pourquoi j'ai dit, le problème de la République, c'est travailler sur l'économie nationale. Diversifier les secteurs de l'économie. Ne laissez pas que nous basions notre économie que sur les secteurs des minéraux. L'agriculture y est. Et les autres secteurs, le tourisme par exemple. L'Afrique du Sud gagne combien de millions de dollars sur les secteurs du tourisme? Alors que nous avons des parcs ici. Nous pouvions en gagner, nous pouvions bénéficier de cela. C'est ça le problème. Donc, moi je me dis, être appartenu dans une organisation internationale n'est pas mauvaise. Mais vous ne devrez pas appartenir juste pour être le oui à la main. Lorsque les gens disent oui, vous vous dites oui. Non, mais vous devriez y être avec une force. Et vous échanger. C'est ça que j'ai dit, cette dépendance de la RDC fait en sorte que nous n'avançons pas. Tout ce que M. Takizala a évoqué, c'est bien bon, mais on ne peut pas y aller simplement comme ça. Moi, je parle sur le plan politique, la politique économique. Travaillons d'abord par là et nous serons respectés. Les entrepreneurs congolais seront respectés. Mais vous voulez être respecté comment? Tant qu'on sait que vous êtes entrepreneur et chez vous, on regarde votre budget, on regarde votre secteur, on regarde votre économie, on trouve qu'il y a défaillance, etc. Vous voulez être respecté comment? Le cadre macroéconomique, tous les indicateurs sont rouges. Inflation, taux de chômage, tous les cadres macroéconomiques, à part le taux de croissance qui est au vert, les autres taux, les autres indicateurs sont rouges. Et donc, on ne peut pas être respecté comme ça au niveau... Donc, c'est comme vous l'avez dit, mais nous, c'est plus que nous subissons, je vous ai dit. Et même avec cette guerre russo-ukrainienne, vous avez vu récemment certains présidents africains qui sont allés rencontrer Poutine et le président, tout ça pour essayer de discuter par rapport à toutes ces choses. Je crois qu'il faudrait y réfléchir d'une bonne manière. Monsieur Mathieu Takizala, le problème, c'est au niveau interne, comme l'a dit monsieur. La politique économique. La politique économique au niveau interne. Vous savez, on n'a pas suffisamment de volonté aller vers l'extérieur et proposer aussi des débouchés. Cher Dan, toutes les économies 21e siècle est hybride. C'est-à-dire? Ça veut dire que les économies sont ouvertes. Les globalisées, les mondialisées. Maintenant, le problème, ce n'est pas le problème de l'organisation francophone. Le problème, c'est le problème des Congolais. Ouais. Donc, vous comprenez? Ce n'est pas à dire, oui, bon, pourquoi on va appartenir? Non. Parce qu'appartenir dans cette organisation, on peut gagner. Parce que la plupart de ces États, ils ont une épargne, ils ont un marché, ils ont des avantages que nous, nous n'avons pas. C'est à nous maintenant de comprendre que dans ces marchés-là, on doit pénétrer. Et on va pénétrer avec quoi comme outil? Il faut utiliser ce que nous, nous avons. Et surtout avec la crise. Dans le moment de crise, c'est là où les États se développent. Si l'économie marocaine est prospère, parce qu'ils collaborent avec la France. Parce que les industriels français ont trouvé des partenaires marocains pour travailler avec. Parce que PSA a décidé de s'installer dans le sol. Et maintenant, du côté congolais, le vrai problème, c'est de mettre ce que nous, qui sommes ici comme entrepreneurs, qu'on soit maintenant ce qu'on appelle les acquisés de réception par rapport aux partenaires qui sont en face. Et dire que uniquement avec ce taux de chômage, excusez-moi, avec ce taux de chômage qui est de 90% de la population, avec le taux d'informel qui est de 99% de la population, avec l'infrastructure qui est absente, localement, vous faites un rebond. Déjà, et quel rebond vous allez faire? C'est-à-dire qu'il faut maintenant, le stratégie économique, ce ne sont pas du verbiage. Vous comprenez? Il faut le stratégie économique, c'est du point de vue pratique. Il faut que le Congolais du point de vue pratique. On ne peut pas laisser tout mais oui, mais Dan, quand vous êtes par exemple aujourd'hui, moi ça fait 4-7 ans que j'ai décidé d'entreprendre dans mon pays d'origine. Et de 7 ans, aucun contrat, aucun financement du point de vue local. Là, c'est vous, on a fait tout ici. Dites-moi, quel est le problème de la francophonie? Je suis sur le terrain. Là, et que les politiques publiques... Oui, mais laissez-nous placer des mots. Allez-y. Et que les politiques publiques, la République démocratique du Congo, incapables de faire les entrepreneurs congolais, les acteurs qui paient dans ces marchés. Mais dites-moi, quel est le problème? Vous voyez tout dans le zoom politique-politicienne. Allons-y dans ce qu'on appelle le pragmatique de l'économie. L'économie, ce sont des acteurs. Quels sont les acteurs que vous avez éliminés? L'économie, ce ne sont pas des ministres. Ce sont des entreprises. Ce sont les gens qui consomment. C'est un marché.
Et aujourd'hui, les entreprises congolaises en difficulté, les entrepreneurs congolais en difficulté. Maintenant, vous dites, et à chaque fois, c'est ce qui est aberrant ici au Pakistan. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous voyons des choses, il ne faut pas se plaindre. Je prends votre cas particulier, puisque vous parlez de vous. Si les politiques doivent vous accompagner, dites-nous pourquoi est-ce qu'on doit vous accompagner, vous. D'abord, le rôle de la politique. Qu'est-ce qui nous dit que vous êtes, vous allez être une personne porteuse, comment dire, vous allez apporter une plus-value à la société congolaise. Énorme. Énorme. Prouvez-le-nous. Je suis dans un secteur où, 60 ans durant, aucune entreprise congolaise a émergé. La réparation des véhicules, la vente des véhicules, la distribution de véhicules, le contrôle technique, 63 ans durant, il n'y a pas une marque de bougie congolaise. Aujourd'hui, mes compatriotes, à travers la République, pour acheter un véhicule, ils achètent chez qui? L'État congolais s'appauvrit ici. C'est-à-dire qu'on achète, vous savez l'histoire de Transco, à chaque fois on achète des bis sans entretien, on trouve dans un parcelle. Et après, l'argent public va sortir. Les ingénieurs congolais que nous formons, ils vont travailler où? Ils vont travailler par des enveloppes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un marché, par exemple avec le Parlement, pour les entretiens, et je peux séduire Michelin pour le pneumatique. C'est ça l'économie. C'est-à-dire que je dis, voilà, moi j'ai un marché, c'est moi qui entretiens le véhicule de Parlement. Les gars, le nombre de pneus que je vends là, Michelin peut venir. Aujourd'hui, j'ai un marché avec la police. Peux dire à Valeo qui fabrique l'équipement entier en pièces de l'échange. Parce que tous les pièces de l'échange qui rentrent à l'intérieur du quartier du Congo aujourd'hui, ce sont des pièces d'échange qui n'ont même pas la qualité où les Congolais peuvent acheter. Aujourd'hui, j'ai un contrat, par exemple, avec la SNEL. Je vous avez demandé des détails, non? C'est ça les détails, c'est-à-dire c'est ça l'économie. C'est-à-dire qu'en face, nous devons avoir le chiffre. Et quand j'ai mes homologues de l'espace francophone, je dis, mon nom, allons-y ensemble. Parce que moi, je travaille avec la police. Parce que moi, je travaille avec l'administration. Parce que l'administration regarde, le commande, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais lorsque nous arrivons, j'ai fait 7 ans en fonds propres. Ne vous plaignez pas. Je ne me plains pas. Je suis un technicien. Non, ce sont des exemples. Vous m'avez posé une question et je vous réponds. Ça veut dire que allons-y dans l'audace de l'économie. Très bien. Et là, il ne faut pas trouver le diable ailleurs. Le diable, c'est les Congolais eux-mêmes. Comment fait-il les Congolais qui entreprennent? On est incapable de les vendre, de lui confier même des responsabilités. Ça veut dire qu'il y a chaque fois, on va trouver les autres en disant, non, vous voyez, c'est là-bas. Mais... Dans l'espace anglophone. Vous êtes élu aujourd'hui président de la République. Qu'est-ce que vous prenez comme décision phare? Élu président de la République, je ne rêve même pas d'être président de la République. Non, c'est juste une question. Parce que pour être un bon président, il faut avoir le socle économique. C'est juste une question. Parce que s'il n'y a pas de socle économique, ça ne sert à rien. Si vous avez le pouvoir, vous dites que le pouvoir n'agisse pas. Les tenants du pouvoir n'agissent pas. Non, mais moi, c'est la partie économique que je vois. C'est l'histoire de... Parce que l'esprit présentalisation de la tête des Congolais, ça nous fait des petits hommes. Il faut transformer le pays. Il faut des acteurs. Il faut des acteurs politiques. Il faut des acteurs. Non, les acteurs économiques. Qui doivent être les acteurs économiques sont importants. Quand les Congolais sont sans revenus, sans salaire, sans travail, et ces gens-là, vous voulez le faire à telle politique, avec quoi? Merci beaucoup. C'est ça le vrai problème. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takiza. La deuxième thématique, messieurs, dames, analyse comparative des économies sud-africaines et congolaises. On a reçu hier à Kinshasa le président sud-africain. Ramaphosa Cyril, je vais présenter quelques éléments pour que vous compreniez un peu. L'Afrique du Sud est un pays doté d'une économie moderne, relativement diversifiée et qui dispose de nombreux atouts. Des ressources naturelles abondantes, une agriculture commerciale performante, une industrie manufacturière puissante, compétitive et intégrée. L'or demeure la principale et la première richesse du pays. L'Afrique du Sud est le premier pays extracteur de l'or et de platine. Est l'un des premiers atouts pour le diamant et l'argent. L'Afrique du Sud reste la 4e production mondiale de diamants. Le pays a aussi développé le secteur du tourisme de haute gamme, attirant des Européens et des Nord-Américains, mais également la classe aisée africaine. Enfin, si elle concerne des activités agricoles, il s'agit des cultures à haut rendement et le secteur est bien intégré au système agroalimentaire. RDC. Les investissements et les exportations du secteur minier restent les principaux moteurs de la croissance en RDC. La conjoncture économique de la RDC est favorable, mais la grande dépendance du pays au secteur, minier l'expose toujours fortement aux variations des cours internationaux des matières premières. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt et le premier producteur de cuivre en Afrique.
Selon la Banque mondiale, près de 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'économie de la RDC repose principalement sur les industries extractives qui sont très dépendantes des cours mondiaux et de la dynamique économique internationale. Alors, si nous essayons de faire une petite, un petit résumé de, ce texte, c'est que la RDC dépend essentiellement de l'extérieur. Je l'ai dit. Essentiellement de l'extérieur. Je l'ai dit. Alors, Monsieur Joseph, je vous donne la parole. On vient de lire, présenter un peu les, de façon liminaire les deux économies. Déjà, les éléments vous sont donnés, mais on va maintenant chercher à comprendre, analyser, pour comprendre qu'est-ce qui fait que l'Afrique du Sud soit aujourd'hui la troisième puissance économique africaine, derrière l'Égypte et le Nigeria. Et comment expliquer que les deux États qui, il y a 60-50 ans, les économies s'équivalaient presque. Aujourd'hui, nous sommes dans un gouffre indescriptible avec 75% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, plus de 90% des chômeurs. Comment expliquer ça? Et quelles sont les raisons de cet écart entre les deux nations? Merci beaucoup. Je demanderai au gouvernement, voici un entrepreneur que vous devez soutenir. Voilà, parce que c'est un Congolais, il va engager des Congolais. Voilà. Ça va apporter en tout cas, monsieur. Mais oui, parce que c'est écœurant. C'est écœurant. Il a besoin de lignes de crédit, il a besoin de développer son entreprise et puis donnez-lui des marchés. C'est plus simple que ça. Voilà. Bon, il faut d'abord partir de l'Afrique. L'Afrique, les échanges commerciaux entre Africains, ou bien échanges commerciaux, c'est 16% seulement. C'est entre Africains. Sur un marché de plus de 1,8 milliard ou bien 2 milliards de personnes, c'est trop peu. Donc, même à l'interne, au niveau de l'Afrique, ça pose problème. Vous avez posé une très belle question. J'aimerais parler des multinationales francophones. Vous savez, quand on a lancé des appels d'offres internationales sur le bloc gazier pétrolier, les entreprises françaises dans le secteur ont dit « nous ne venons pas ». Je cite Total Energy. Vous voyez, donnez-moi l'apport des multinationales à caractère francophone qui ont de l'ancrage au Congo. Nous ne pouvons pas faire leur publicité, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Regardez nos frères qui travaillent dans leurs entreprises. Ils sont dans la sous-traitance, c'est bon. Donc, ça pose problème. Donc, mais ces gens-là, qui peut me dire que ces bâtiments, c'est une multinationale à caractère francophone qui a construit ça, ou bien, il n'y a rien. Oui, donc c'est un problème. Tenez, la Zambie est deuxième partenaire commercial de la RDC. Vous voyez? Donc, moi je vois beaucoup plus le problème de l'intégration au niveau de l'Afrique pour que nous puissions développer. Je salue ce qui a été fait entre l'Afrique du Sud et la RDC parce que ça va nous être profitable. Vous comprenez? Il faut développer les organisations sous-régionales. Par exemple, nous sommes dans la SADC. Nous devons beaucoup plus concentrer nos efforts au niveau de la SADC. Et puis, bon, on a prôné au niveau de l'UA la zone de libre-échange africain, la ZLECAF. Il faut y aller dans ce sens-là. Alors, Mohamed Kadhafi avait cette vision-là, mais ça l'a emporté. Il ne faut pas oublier que nous pouvons réfléchir, mettre en place des politiques publiques. Mais attention, il y a l'ingérence extérieure en Afrique. Une main noire. Qui bloque toutes les initiatives allant dans ce sens. Mais parlons maintenant de l'économie sud-africaine. C'est tenu entre le maire qui des Afrikaners. Ça, il ne faut pas oublier. Les Afrikaners, c'est les blancs sud-africains. Parlons évidemment. Comme ça, c'est le mot qui convient. Vous comprenez? Pas entre le maire des noirs. Et toutes ces entreprises, des multinationales implantées en Afrique du Sud ou bien en Afrique, sont des étrangers qui ont leur succursale ici. Prenons l'exemple de la Namibie qui nous donne... L'économie sud-africaine est tenue par les étrangers. La plupart. Les Africains eux-mêmes sont moins nombreux. Prenons l'entreprise, je ne vais pas citer son nom, qui nous donne du chanchard ici à 80%. Ce n'est pas pour les Namibiens. C'est une entreprise à caractère anglo-saxon qui est venue s'implanter. Donc, c'est pour dire, nous devons réfléchir sur des politiques publiques internes importantes qui impactent sur les autres. Je salue ce que vous avez parlé de l'Afrique du Sud, parce que là, du moins, nous pouvons avoir des partenariats gagnant-gagnant dans le sens de l'ouverture.
voyez, parce que l'Afrique du Sud est plus ou moins avancée que nous sur le plan militaire, sur le plan des infrastructures. Tenez, il y a un grand projet intégrateur sur lequel nous devons y travailler avec des Sud-Africains sur le projet Grainga. Parce que pour amener le développement, il faut amener l'électricité, il faut construire des routes. Vous voyez, regardez par exemple le pont route rail Kinshasa-Brazzaville. Ça, c'est un grand projet économique, mais attention, il y a un piège derrière, là. Vous voyez, parce que, je ne veux pas citer le nom pour en faire une publicité, pour que nous ne soyons pas attaqués, il y a une entreprise multinationale française sur le plan de portuaire qui combat le projet de port en eau profonde à Banana. Pour développer la RDC, il faut avoir un couloir sur les grandes eaux. Parce que comment expliquer, notre économie dépend du port de Mombasa, du port de Pointe-Noire et d'Abidjan. C'est pas normal. Alors, il faut aller beaucoup plus. Là, je suis d'accord avec le DG, comme le projet Grand-Ing, le projet de port en eau profonde de Banana. C'est là où devaient être concentrés nos efforts, parce qu'il y aura des répercussions importantes par rapport à l'économie congolaise. Nous allons économiser suffisamment. Déjà, je sais qu'il y a transbordement au niveau de Pointe-Noire, au niveau d'Abidjan. C'est des devises qui vont à l'excès, qui vont ailleurs. Or, si nous terminons cette première phase du port en eau profonde, le Congolais économisera et puis investissera beaucoup plus. C'est très important. Moi, je crois que le partenariat, l'Afrique du Sud est développée, on peut tirer de l'Afrique du Sud. Là, nous serons dans un cadre entre Africains. Nous pouvons nous parler en tant qu'Africains et ensemble développons le projet Grand Inga qui aura un impact, parce qu'aujourd'hui, même les DG est là pour travailler, il faut avoir de l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, c'est compliqué. Nous avons accumulé du retard à cause de la politique politicienne. Là, je suis d'accord avec le DG. Je salue aussi la clairvoyance du gouvernement actuel qui dit, par exemple, sur le domaine minier, vous ne pouvez pas prendre nos minéraux en état brut. Il faut un plus-value ici au Congo, donner à cela une valeur ajoutée. C'est comme ça qu'il y aura création de la richesse et la sous-traitance au niveau congolais. Et heureusement, il y a ARSP. J'en parlerai, mais ARSP, pour que, au niveau des entrepreneurs congolais, comme le DG, qui puissent émerger et puis rivaliser avec les autres. Parce que toutes les années passées, ce sont des sous-traitants, des entreprises étrangères qui bénéficiaient de cette manne. Merci beaucoup, monsieur Joseph. Eric, je vous passe la parole, mais j'aimerais quand même savoir, il a dit que nous, Congolais, nous avons cette tendance de présidentialiser tout. Genre, on a l'impression de donner plus de responsabilité à la personne du président de la République, c'est lui qui doit faire ci, qui doit faire ça. Or, les économistes ne se rêvent pas simplement par les actions particulièrement du chef de l'État ou du gouvernement. La responsabilité, elle est partagée à ce niveau-là. Non, mais le chef de l'État, il est garant du bon fonctionnement des institutions. Hein, c'est lui qui a une vision. Et vous savez, comment le gouvernement aussi doit apporter cette vision-là pour mettre ça en musique, s'il faudrait les dire. C'est comme ça que les choses doivent être faites. Et il faudrait dire que le gouvernement ou le politicien assainisse les climats des affaires pour que le privé puisse bien évoluer. Ouais. Je me suis posé la question, quand il a parlé qu'il n'y a aucun soutien de son entreprise, aucun soutien, je sais ça, etc. Je me suis posé la question... je ne sais pas, il est dans la sous-traitance, je ne sais pas s'il est dans la sous-traitance, mais j'aimerais simplement savoir, est-ce qu'il s'est enregistré à la ARSP, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés? Puisque le gouvernement congolais, l'État congolais a voulu réorganiser cette politique. Vous savez, ailleurs, l'économie du monde n'est pas touchée par l'État. C'est les privés qui touchent les économies du monde. Même aux États-Unis, c'est les privés qui soutiennent l'économie des États-Unis. Alors chez nous, à un certain moment, nous avions négligé ces secteurs-là. Et l'État est venu aujourd'hui pour réglementer cela. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait vous enregistrer à la RSP, c'est-à-dire pour avoir ces numéros d'enregistrement qui permettraient à l'État de savoir toutes les entreprises évoluant en privées évoluant dans la sous-traitance en République démocratique. Ça, c'est la première des choses. Et savoir dans quel secteur vous évoluez. Lorsque l'État sait le secteur où vous évoluez, et l'État viendrait pour savoir est-ce que vous respectez la loi régissant la sous-traitance. La loi numéro 017-001 qui réglemente la loi de la sous-traitance et ses mesures d'application.
puisque la loi a déterminé que les entreprises de sous-traitance doivent être les entreprises congolaises. Mais aussi une part, la loi permet à ce que le Congolais ouvre une entreprise de sous-traitance avec des expatriés, mais sauf à la seule différence, que les Congolais auront 51% n'est-ce pas, 51% et 49% pour les expatriés. C'est-à-dire, l'État a réglementé. Lorsque l'État sait qu'une entreprise de M. Makizala travaille dans X, Y secteur, eh bien, ça permet à l'État de vous accompagner. C'est ça aussi la politique publique qui a été mise par l'État congolais. C'est pour organiser ce secteur privé qui était abandonné. La RSP a signé des contrats avec le ministère des mines. La RSP a signé certains contrats, même avec la FEC, Fédération des entreprises, je crois, congolaises, etc. C'est-à-dire, c'était pour réglementer, régulariser, organiser la sous-traitance. C'est pourquoi la politique, au départ, je vous ai parlé de la politique économique, la politique du gouvernement. C'est l'État qui assainit le climat des affaires. Ce n'est pas les économistes. Vous allez venir sur quel marché? C'est l'État qui va organiser. C'est l'État qui doit alléger vos taxes, vos impôts. Puisqu'il sait que lorsque vous travaillez, vous apportez plus, ça permet à ce que l'État, que son économie soit augmentée. Et vous diminuez même le taux de chômage. Et même lorsque la politique économique est mise dans un pays, où la diversification de certaines de l'économie est normale. Et mais ça, même le taux, ça ferait en sorte que nous évitions ce que vous appelez le taux de l'augmentation du taux d'échange, etc. Et tout ça. C'est pourquoi au départ j'ai parlé de la politique économique. Et c'est aussi bien, et d'ailleurs je l'ai dit au départ ici, il est vrai que c'est bien d'adhérer dans certaines organisations, mais je l'ai dit, il faudrait que nous puissions copier aussi les types de modèles de les économies de certaines nations. Voir par exemple, vous parlez de l'analyse comparative entre l'économie congolaise et l'économie sud-africaine. Mais regardez, qu'est-ce que les Sud-Africains ont fait pour qu'ils soient pratiquement à la troisième puissance économique en Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que l'Égypte a fait? Qu'est-ce que le Nigeria a fait? Mais le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, si je ne me trompe pas. Mais ils ont une économie forte. Nous sommes aussi quasiment beaucoup plus peuplés. Mais pourquoi notre économie est toujours une économie faible? C'est la part des responsabilités de l'État congolais, de nous, ce que nous devions faire. C'est pourquoi j'ai parlé au départ de ça. Copier les types modèles des économies des autres. Voir, l'Afrique du Sud a fait ceci, la Zambie a fait ceci. Comment on peut faire? Travailler sur le plan interne. Et c'est sur le plan interne que vous pouvez imposer votre force sur le plan international. Puisque lorsque vous signez un contrat entre la RDC et la France, partenariat, il faut que ce partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous apporterez à la France? Qu'est-ce que la France apporterait à la RDC? C'est de ça où j'ai parlé. Merci. Et donc beaucoup. Ici, je crois que d'une part, les entrepreneurs dans les secteurs privés ont leur part des responsabilités, mais également le gouvernement aussi a sa part des responsabilités. La responsabilité partagée. Tout à fait. Monsieur Takizala, la responsabilité est justement partagée entre politique et entrepreneur. Ça tombe bien que je suis économiste. Oui. Mon frère, nous devons être réalistes. On est en 21e siècle. Vous savez, on est habitué à parler. Ce n'est pas le parler qui fait quelque chose. Avant de venir ici, j'ai œuvré dans un pays développé et je connais qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème de l'entreprise et de l'économie. Le président Hollande, c'est un économiste. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le président Hollande qui écrivait ses... Ce sont nous, les experts sectoriels. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que vous voyez qu'on a des États développés. Lorsque on arrive dans la période de l'euphorie électorale, on va présenter au monde économique. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Chaque entreprise structurelle dans un État, lorsqu'il s'installe, il y a des instruments. Ici, vous appelez greffe administrative. Guichet unique. Ouais. Il y a une base de données. Ouais. Quelle politique on met dans tous ces gens-là qui sont enregistrés? Depuis que vous êtes sur l'espace public comme politique, vous avez les statistiques, le nombre des entreprises qui ont fermé en 2023. Vous avez les statistiques, le nombre d'entreprises qui ont été créées, zone par zone. Il faut, vous savez, travailler comme un entrepreneur avec Primokati du Congo, ce n'est pas une mince affaire. Et ces genres de savonnettes-là, il faut laisser ça. Où on voit, on parle. Mais il faut que ça soit... qu'on voit les résultats. La loi que vous dites de 51, ça n'a pas commencé aujourd'hui. En 2017. Citez-moi... Non, papa. La loi où lorsqu'une entreprise s'installe en République démocratique du Congo, le capital majoritaire doit être capital des Congolais. Depuis l'époque de Marshall. Vous faites la politique, renseignez.
Vous comprenez la loi de la mais quelle est... Non, mais moi, je ne suis pas sous-traitant, c'est quoi, papa? Ça a été mis en vigueur. Ce partenariat, ce n'est pas ça qui développe les entreprises. Nous sommes chez nous. Ce qui développe les entreprises, s'il vous plaît. Ce qui développe une politique, on applique par ceux qui sont sur le terrain. Si la Chine a accueilli les investissements étrangers, parce qu'ils ont permis aux entreprises locales d'être d'abord les entreprises solvables. Ce n'est pas cette musique-là en disant la sous-traitance. Quelle sous-traitance? Depuis, on l'a fait. C'était moins une quinzaine d'entreprises congolaises qui développent. Et l'argent que nous versons aux autres entreprises étrangères, c'est la contribution des Congolais. Pourquoi on ne parle pas de la sous-traitance? Pourquoi les nationaux, les Congolais, on doit parler de la sous-traitance? Et cette sous-traitance, depuis qu'on a créé, que je connais même la personne qui préside, vous pouvez me citer dans mon secteur l'entreprise qui bénéficie de ça? Vous êtes enregistré à la RSPD? Ah, monsieur, s'il vous plaît. Pose la question. S'il vous plaît, soyez sérieux. Mais je vous pose la question. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Vous comprenez? Vous faites la politique, vous n'êtes pas dans le monde économique. Vous faites la politique, s'il vous plaît, vous n'êtes pas sur le terrain. Vous ne savez pas les angoisses des chefs d'entreprise. Vous comprenez? C'est trop facile, ça. Et les musiques faciles, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Un bon politique doit protéger les entrepreneurs. C'est trop facile de venir dire ici, est-ce que vous êtes enregistré? Est-ce que ça, c'est sérieux, ça? Bon, déjà. Je crois que si nous voulons avancer, on parle de l'économie avec des chiffres. Ce n'est pas la littérature inutile ici. Vous savez, est-ce que vous êtes enregistré? Non, papa. Et tout le monde nous parle de la politique, pourquoi? Si c'était facile, il fallait que les gens créent leurs entreprises ici. Parce qu'il y a l'autorité de la régulation. Il fallait que ceux qui ont fait l'économie, ceux qui ont fait les autres études, créent leurs entreprises. Pourquoi tout le monde est maintenant se verser en politique? Parce que c'est facile là-bas de parler. Mais ceux qui sont sur le terrain, aucun soutien dans vos plateformes politiques. Quelle proposition faites-vous à votre niveau? Là, alors, la deuxième thématique, là, en tout cas, s'il vous plaît, si on va continuer comme ça, ce pays va reculer. Vous devez se mettre à la place des chefs d'entreprise. On a compris. Une entreprise structurelle, lorsqu'il s'installe, il n'est pas dans l'informel. Donc, il s'enregistre dans toutes les institutions. C'est à ces organisations de nous brandir tous les jours. Quelles sont les entreprises qui sont accompagnées? Et ce n'est pas un homme qui a fait l'économie qui me dira tout ça. Très bien. Donc, alors, le problème, c'est... on parle de l'étude comparative entre l'économie sud-africaine et la nôtre. L'économie sud-africaine est en deuxième position. À part le Nigeria, c'est l'économie sud-africaine. Il y a l'Égypte qui a maintenant détrôné. Oui, mais c'est parmi... Dans la subsaharienne, les deux nations fortes noires, c'est l'Afrique du Sud et le Nigeria. Mais cette économie, quand vous regardez, le PIB annuel de cette économie, c'est 10 fois que la nôtre. Nous nous tournons autour de 68 milliards. Produit intérieur brut. Ils sont à presque 500 quelques ou 400 quelques milliards. L'infrastructure, ils en ont plus que nous. Le deuxième port dans le continent, c'est Durban, en conteneur. Le nombre de PME sud-africains, des capitaux sud-africains, est supérieur à la nôtre. Le nombre de gens qui travaillent en Afrique du Sud avec revenus sains est supérieur à la nôtre. Le marché financier sud-africain est supérieur à la nôtre. Mais nous avons des potentiels ici. D'où la nécessité de comprendre, si on veut faire l'économie en démocratie du Congo, de faire émerger une classe affairiste congolaise. C'est-à-dire que les entreprises congolaises qui peuvent s'atteler aux entreprises sud-africaines. Ils montent des véhicules. Ils fabriquent des batteries. Ils fabriquent des bougies. Ils fabriquent des pneumatiques. Chose que nous ne faisons pas ici. Or, pour que nous puissions rapprocher vite dans cette économie, il faut que les boîtes que nous nous mettons en place, vous nous donnez la façon d'agir. Et c'est comme ça qu'on peut rapprocher ces intelligences et ces capitaux qui sont regorgés dans ces marchés. C'est comme ça que les pays avancent. Mais si de notre côté, ceux qui créent des boîtes en République démocratique du Congo sont sous-estimés, comme que les Boiriens, c'est-à-dire que c'est aberrant. 7 ans, je ne vois même pas mes enfants. Et on vient, à chaque fois, c'est ça. On pense que donc, tout le monde doit aller dans la partie politique. Ce n'est pas bon. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a un vrai problème. La politique est régorgée de ce que nous appelons les idéologies politiques. Le socle des idéologies politiques, ce sont des classes sociales. Et les classes sociales, ce sont des revenus. C'est le travail. Vous voyez pourquoi la politique patine ici? Parce que l'idéologie est à part. C'est du blablachage inutile. Parce que les gens ne travaillent pas. Mais pour avoir le travail, il faut les entreprises.
Et ce sont les entreprises qui vont permettre aux politiques publiques d'avoir des moyens. Mais aujourd'hui, les entreprises congolaises, vous le suivez, mais quel pays qui a dit au monde, même la Chine n'a pas fait cette erreur qu'on est en train de faire ici, où on met les... Donc, tout ce que moi j'ai dans la tête, où je constate qu'il n'y a pas une marque de batterie congolaise, et qu'on veut que la société congolaise soit une marque de batterie qu'on appelle SAG. Donc ça, vous voulez me rester toujours des sous-traitants. Sous-traitants de quoi? Ces gens-là, on donne des contrats ici. Pour finir. Ils sont plus supérieurs aux Congolais. Pour finir, s'il vous plaît. Pourquoi et ils ne sont pas sous-traitants? Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Pourquoi et ils ne sont pas sous-traitants? On a compris. Pourquoi le Congolais lui-même chez lui, vous les sous-estimez? Merci. Or, la politique, on commence d'abord à valoriser le Congolais. Ceux qui entreprennent. Venez avec des notes, dites à nous quelles sont les entreprises. C'est du chiffrage, mon frère. Merci beaucoup. Et le Nigeria, le général Olusegun Obasanjo, s'il mettait cette vision que nous avons ici, minimaliste, est-ce que Dangote devait devenir puissant? Il l'a confié des responsabilités. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, Dangote est en train de partir en Afrique. Pourquoi au Congo, on ne veut pas faire émerger des grands hommes économiques? Non, Aliko. On parle de la sous-traitance. C'est minimaliste, ça. Aliko Dangote, un des hommes les plus... Aliko Dangote, on l'a confié premier tâche, quoi. Vendre du ciment. Merci. Et après, aujourd'hui, dans quoi? Dans tout. Le temps nous est imparti. Nous devons malheureusement avancer, conclure. Je crois qu'on a tous presque le même temps de parole. Je pense que nous pouvons en arrêter là. Mais une minute pour chacun. Une minute pour conclure, monsieur Joseph. Une minute, s'il vous plaît. Et juste proposition. Deux propositions. Moi, je pense à l'ère actuelle, il faut développer les secteurs porteurs de croissance. Là, je parle de l'agriculture et de la pêche, qui aura un effet d'entraînement dans tous les secteurs. En l'occurrence, c'est le secteur où le DG Takizala évolue. Parce qu'il est dans le domaine de véhicules, réparation. On achète pour le gouvernement, mon patriote, ouais, on achète pour tout le monde, on donne aux autres, on ne les fait pas sous-traitants. Ouais. Et les Congolais qui peuvent accompagner son État et amener l'intelligence, on le fait. Là, je suis d'accord avec lui par rapport à l'écosystème. C'est pas sérieux. Parce que le secteur porteur de croissance, là où ça peut capter beaucoup d'emplois, c'est le domaine de l'agriculture et de la pêche. Parce qu'il y aura une création d'une chaîne de valeur. Parce que. Pour mettre, je salue d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, le service national qui est parti en 2019 de 1000 tonnes. Aujourd'hui, il est en 15 000 tonnes. On peut créer autour du service national tout ça. Parce qu'ils auront besoin de véhicules. Ils achètent des tracteurs. Il a besoin de véhicules, des tracteurs, de tout ça. Merci beaucoup. Et conclure. Alors, on dit souvent, faites-moi une bonne politique, je te ferai de bonnes économies. Donc, il faut que la bourgeoisie administrative et bureaucratique laisse la place à la bourgeoisie artisanale et économique. C'est ce que la Chine a fait. Merci. Eric. J'aimerais dire une chose à M. Takizana. D'abord, je vous tiens à vous informer que je suis économiste de formation. Licencié en économie et gestion pétrolière, je maîtrise ce que je parle. Deuxièmement, il a dit l'État protège les entrepreneurs. Oui, l'État protège les entrepreneurs, mais avec des lois permettant à ce que les entrepreneurs puissent fonctionner. On ne peut pas avoir, on ne peut pas être un pays sans loi et vous voulez que les entrepreneurs fonctionnent. Non. Lorsque je parlais de la RSP, vous avez dit qu'il y a des entreprises qui sont enregistrées. Oui, mais lorsque vous vous enregistrez, vous avez ce que vous appelez les FSN, registre des crédits des comptes immobiliers, vous payez pour, au niveau de la DGI et tout ça, c'est ce qu'on vous demande. C'est simplement pour que vous ayez l'autorisation du fonctionnement. Ça fait quoi? S'il vous plaît, laissez-moi parler. Mais dans votre fonctionnement de votre secteur privé, dans votre secteur-là, la respect vous agropole, puisque l'objectif, c'est quoi? C'est créer une classe de moyens, c'est ce que vous parlez. C'est créer une classe de moyens, c'est-à-dire l'État vient maintenant dans votre secteur, voir comment vous opérez, et en faisant respecter la loi. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a la part de l'État. Vous parlez, vous dites accompagner. Mais on va vous accompagner comment? Si l'État n'arrive pas à régulariser, si l'État n'arrive pas à contrôler. Vous êtes fier de dire ça, non, mais qu'est-ce qu'il dit? Pour vous accompagner, il faut qu'il y ait de loi. Il faut qu'on vous accompagne. Et c'est pourquoi je vous ai dit que l'État a régularisé déjà ces secteurs-là et il vous demande à vous, lorsque vous vous enregistrez, c'est pour contrôler votre secteur dans les secteurs privés que vous êtes. Si vous êtes en partenariat avec X ou Y expatriés, l'État vous permet à ce que vous fonctionnez de la très bonne manière. Vous accompagnez, il faille qu'il y ait de loi. Alors, il ne faudrait pas mettre plus de émotions. C'est vrai, je comprends votre motivation. Vous êtes dans un secteur où on ne vous accompagne pas. Mais pour que l'on vous accompagne, il faille que tout soit régularisé. C'est pourquoi beaucoup. Je vous ai parlé de la part de l'État. C'est que l'État doit faire assainir le climat des affaires. Merci vous beaucoup. Permettre de fonctionner, vous sécuriser, vous donner des moyens suffisants. C'est ça la part de la responsabilité de l'État. Venez avec des chiffres. Merci beaucoup. C'est pas possible. Merci beaucoup. Venez avec des chiffres.
Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takizala. Merci beaucoup, cher. Il faut faire vraiment. Merci vous devez comprendre. Un État en retard, ce n'est pas ce genre de rhétorique. Merci beaucoup. On n'est pas à la fac, mais il faut palper la réalité. Mais avec de loi. Très bien. Si tu crois qu'un entrepreneur est hors la loi. Messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce jour. Nous nous retrouvons vendredi prochain. Vendredi économie. Est-ce que vous minimisez déjà ceux qui sont ici? S'il vous plaît, je dois. Vendredi économie, mesdames et messieurs, on se retrouve encore le vendredi prochain pour parler encore des questions en rapport avec l'économie. Politique, économie, c'est en soi, ça s'entremêle. C'est toujours. Portez-vous bien et excellent week-end. À lundi.